mal. Heureux qui vit jamais versé par l'oubli, des merveilleux fascinants et garnis. Je vous présente une poème qui se présente sur une
Je n'écrirai pas. Sans la femme, que sera l'humanité?
Est-ce que votre violence fait ton pas? Au que reste qu'il d'une décennie, se poignent sur nos têtes calfeutrées. Dans l'individualisme, un être minuscule et invisible, dont la mission est de rappeler à l'humanité les valeurs cardinales de l'amour. Tous unis aujourd'hui pour un maître mot, la servir de la vie avant toute chose. Certains se confinent dans l'espoir de sauver leur vie, des vies en cette période de crise. D'autres se pavanent et se sient dans les rues, défiant les lois de la nature et les mesures de prévention prises. D'autres retournent dormir paisiblement dans les douces mains du linceul infini. Aux âmes disparues, dormez en paix. D'autres se coulent au lit en attendant impatiemment un remède qui les extirpe des ténèbres de la souffrance. Virus Corona, pourquoi sur nos têtes l'humanité porte le fardeau de son deuil? Sous un regard indécent, contemplant naïvement tous ces bouts de bois de qui est parti sans dire adieu. Un seul mot, maître, oui, mais qui sont ces êtres, tous vêtus de couleur lumière, partant courageusement à la rencontre de la mort pour sauver les vies? Qui sont-ils? Qui sont-elles? Ces âmes d'amour et de compassion à la tête de la nation. Elles se sacrifient pour sauver l'humanité. Blouse blanche à tout premier se trouve l'amour du ciel qui, par sa bonté, soigne nos souffrances des hommes et humains. Merci. Nous allons passer à la remise des prix. Pour cela, nous appelons Monsieur Dieu. Voilà, donc, comme Marème l'a dit, maintenant, on a aussi.